Lorsqu'on se présente comme étudiant en mathématiques, une question nous est souvent posée. Ces théories mathématiques, à quoi est-ce qu'elles servent dans la vie quotidienne? Est-ce qu'elles ont une importance dans la vie de tous les jours? La réponse est bien évidemment positive. Ces théories-là, elles ont bel et bien une importance. Et entre autres théories, je peux par exemple citer les fondements de l'analyse des équations différentielles et aux dérivées partielles. Les équations différentielles et aux dérivées partielles ont une importance concrète dans la vie de tous les jours, au sens où elles permettent de modéliser divers phénomènes dans beaucoup de domaines tels que la physique, la biologie, l'écologie, l'économétrie et bien d'autres. Alors, parmi ces phénomènes-là, on peut par exemple citer l'écoulement des fluides, notamment du sang, dont la modélisation permet de pouvoir comprendre toutes les maladies liées à la circulation sanguine. Aussi, je peux par exemple citer comme phénomène la propagation des épidémies. Évidemment, nous avions été témoins donc lors du Covid de l'impact de la modélisation en épidémiologie sur la compréhension du phénomène de propagation, donc de pouvoir casser aussi cette chaîne. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'analyse mathématique de ces équations, donc les équations différentielles et aux dérivées partielles, on est souvent amené à croiser des espaces fonctionnels. Et ces espaces-là sont étudiés par une discipline de l'analyse qui s'appelle l'analyse fonctionnelle. Et puisqu'il s'agit d'une discipline mathématique, il y a forcément des ouvrages. Et entre autres ouvrages, on peut citer par exemple l'ouvrage ici présent « Analyse fonctionnelle, théorie et application » du mathématicien français Ambrésis. Ce livre-là, il est paru donc pour la première fois chez Masson, sous la version suivante, en 1983, sous le nom de la collection « Mathématiques appliquées à la maîtrise ». Parlons du livre lui-même, de son contenu notamment. Le livre, il est constitué de 10 chapitres. Donc, d'abord une introduction générale pour pouvoir le présenter. Et après, les deux premiers chapitres du livre sont donc dédiés à ce qu'on appelle les grands théorèmes de l'analyse fonctionnelle et les notions qui vont avec. Le chapitre 3, quant à lui, il est dédié à la notion de topologie faible, aux espaces réflexifs, uniformément convexes et aux espaces séparables. Et le chapitre 4, 5, 6 et 7 sont respectivement dédiés donc à la notion des espaces LP, la notion d'espace de Hilbert, les opérateurs compacts et au grand théorème de Hill-Yoshida. Et les chapitres 8 et 9 parlent donc des espaces de Sobolev et des formulations variationnelles des problèmes aux limites, respectivement sur des ouverts donc de R puis de Rn. Et enfin le dernier chapitre qui s'intitule Problème d'évolution, qui est une sorte d'application de tout ce que nous avions vu pendant le cours ou au long des 9 premiers chapitres. Donc là, il applique ces notions-là en termes de problèmes d'évolution, notamment aux équations d'évolution telles que l'équation de la chaleur et l'équation des ondes. Et il y a une petite conclusion et les perspectives et évidemment les notes de référence. Personnellement, ce livre, il a eu un impact positif tout au long de mon cursus de master. Parce qu'étant qu'étudiant en master méthode numérique et statistique appliquée, option méthode numérique et équation aux dérivées partielles, j'avais préalablement besoin de maîtriser les notions d'analyse fonctionnelle, donc pour pouvoir bien comprendre les équations aux dérivées partielles. Et ce livre, justement, a joué un rôle très important parce qu'il m'a permis de m'enquérir des notions de base nécessaires d'analyse fonctionnelle et donc de bien suivre mon cursus de master qui est d'ailleurs arrivé en terme. Alors, donc, ce livre, comme je l'ai dit, il est très utilisés dans le plan scientifique et donc je recommande fortement aux étudiants en master de mathématiques appliquées de façon générale et aux lecteurs aussi qui s'intéressent à l'analyse fonctionnelle, aux EDP, donc les équations dérivées partielles, de pouvoir le consulter. Ce livre est par exemple en libre accès à la bibliothèque universitaire Mohamed Skat de l'université Hassan II de Casablanca.